Et bon, en tant que professionnel, il faut avoir aussi un esprit de revanche, il faut pouvoir se remettre en question, donc même dans les têtes des joueurs par rapport à la défaite face... Le ballon lui revient, il a insisté. Et la diagonale, elle est précise. Nkuba. Le centre. Mario, c'est un bon ballon. Et donc maintenant une position beaucoup plus axiale. Andréou. Kayembe, Bessilé. Oh là là. Ça passe quand même. Ça, je ne sais pas comment elle arrive là. Cette balle, Ayman, c'est la balle du 2-0, le poteau. Oh, pas de chance pour Charleroi et pour Dan Ayman. Ça. Voilà, on va... Ah ben oui, c'est... on comprend mieux. Mais là, il fait la différence. Là, il s'impose bien. Juste posé. Là, s'il y a une poussée, on aurait bien la revoir, en tout cas. Onuachu, il y a but. Il y a but de l'autre côté avec Onuachu. Il tourne la tête. Et la façon dont il tourne la tête, mais il perd effectivement le regard. Il perd ses repères. Et Oyun avec... Bon appel dans la profondeur. Ito. Ouais, et les Limbourgeois, ils vont peut-être aller mettre le deuxième. Oh, oh, quelle intervention. Oh, du gros Figrantard là, sur cet arrêt réflexe exceptionnel. Qui va le féliciter parce qu'il est sublime. Ouais, ça vient sur lui, mais quel réflexe quand même pour pouvoir sortir ce ballon. Ouais, parce qu'elle vient fort sur lui. Ça vient sur lui. Voilà, le coup de coin mal donné, mais Inen quand même, ça va être dedans ça avec Torchfeld. Au rebond sur cette frappe d'Ainen. On revoit ça. On va revoir. Hein. Ici, regardez, ouais. C'est Golizadé hein, qui offre ce ballon. Ouais. Je pense pas qu'il soit. Non, j'ai pas l'impression non plus. Peut-être ici, Morioka avec Bayo qui a encore du jus. Bayo, allez, ça c'est peut-être bon. Oui. Pas de coup de Bayo pour le doubler. Et puis le tir croisé de l'intérieur du pied gauche pour égaliser. Belle finition, c'est vrai, pour Bayo qui s'offre un doublé. Golizadé, il faut mettre le ballon dans la boîte là, les dernières secondes, on est au-delà du temps additionnel. Ayman, Golizadé, l'arbitre qui laisse jouer. Marco Hila, il arrêtera le centre en retrait. Et le triplé, la remontada du Sporting de Charleroi. Et regardez-moi ça. Il avait l'air bien seul. Ah, il y a hors-jeu. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu en revoyant le ralenti. De l'international malgache. Ah oui, ouais, au niveau du cardio là, il est monté Edouard Steele. Il a littéralement explosé, il pensait la tenir.